m'appelle Maxime Sénécal, j'ai actuellement 22 ans et je suis né à Boulogne-sur-Mer. J'ai fait un parcours surtout universitaire en DUT informatique pendant 2 ans, bon 3 parce que j'ai redoublé une année, et surtout parce que je viens d'un bac scientifique. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été passionné par l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Et puis finalement, j'ai rencontré le Centre de ressources des associations boulonnaises, le CRAB, auquel j'ai découvert un peu le secteur associatif. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas encore ces nouvelles technologies assez implémentées. Donc notamment ma première mission c'était tout d'abord de créer un site web et je me suis vraiment plu dans ce milieu-là. Et finalement il a été conclu que je puisse signer un emploi d'avenir avec la ville de Boulogne-sur-Mer notamment pour pouvoir concrétiser une formation pendant 3 ans et notamment pouvoir améliorer un peu tout ce qui est la communication digitale et les sites internet dans le secteur associatif, dans le boulonnais. Parce qu'on s'est rendu compte que les associations en fait étaient aussi professionnelles que des entreprises mais n'avaient pas forcément tous les accès, tous les moyens, toutes les ressources que les entreprises peuvent avoir aujourd'hui. Par exemple, pour tout ce qui est communication, marketing, se faire connaître pour les projets ou événements, c'est hyper important pour une entreprise, par exemple, d'avoir un site internet pour avoir une vitrine. Par exemple, on se balade dans la rue. Dans la rue, on a des magasins. Forcément, sur ces magasins, on a la devanture qui montre, qui donne envie d'aller voir ce magasin-là. Et je pense que le monde du web, la toile, le connecté, c'est exactement la même chose. Je pense que le numérique est un tremplin à cela et il ne faut pas le louper, quoi. Et je pense que Boulogne-sur-Mer doit s'investir énormément là-dedans, notamment pour croire aux jeunes qui veulent investir dans des projets ambitieux, notamment sur le web, mais surtout aider à développer les entreprises et le secteur associatif, à aider absolument tout le monde, quoi.